faire une pâte très simple. Je vais vous montrer un peu comment rouler la pâte ici. Alors, on a acheté une pâte congelée, chez, par exemple, chez Milano, cette semaine, à 2,5 pièces congelées. On l'a fait dégeler pendant une nuit de temps, puis ça y est, là, je me dirais 4 heures de temps. Alors, on la laisse dans un petit peu de farine comme ça. Moi, j'aime ça en mettre pas mal. Puis, on commence à rouler. Donc, là, c'est, tout est en relation entre les doigts, la chaleur des doigts. Et la température ambiante, et la chaleur, et la texture de la pizza. Et évidemment, bon, j'ai été pizzaman pendant quelques années, là. Ça faisait quoi, 2 ans et demi. Alors, au fur et à mesure que vous voyez qu'il y a des espèces de petits... Tu sais, là, ça coince, là. Et là, vous rajoutez un peu de farine. Et là, vous jouez avec pendant aussi longtemps qu'il faut pour qu'elle devienne de plus en plus élastique à force de la réchauffer. Allez, là. On a déjà une belle présentation, un beau début. Vous voyez en dessous, comme ça. Là, je rajoute un petit peu de farine dessus, encore. Parce que là, on commence à travailler comme ça. Et puis là, on va chercher les poils comme ça. Et on les tire. On la réchauffe. Alors, on rajoute la chaleur à la pâte qui s'étire au fur et à mesure. Plus la pâte est meilleure, mieux elle va s'étirer comme du monde. Ça commence à me péter dans les mains. C'est parce que j'ai mal été. Alors là, ici, après ça, il y a une autre manœuvre comme ça qui est assez intéressante. Ça fait très italien. Ça fait Saint-Léonard, c'est Italie en Estie. C'est le gars qui commence à étirer sa pâte de même à deux doigts. Il faut être capable de le faire sans qu'elle pète, OK? Regardez, là, elle a grandi quand même. Alors, on a pas la même grandeur déjà comme ça. Alors là, on rajoute encore un peu de farine. La pâte est ouverte, tu sais. Aïe, aïe, commande, commande! Oh, voilà! C'est fait spéciaux. Oh, il y a du vent, il y a une grosse bourrasque devant. Ça va être un tsunami qui passait dans le coin. Non, c'est le marathon de Montréal, Zia. Les derniers qui passaient, qui restaient en marathon. Ils ont retrouvé pendant la nuit. C'est à la rue, ils n'avaient pas fini le marathon encore. Fait qu'on a dit, on va faire de la pizza. Checker que ça avait. Elle n'a pas pété encore, hein? Non. Pourquoi qu'elle n'a pas pété encore? Mais parce que je sais comment le faire. Parce que. La tête. Parce que c'est pas la première fois que j'en fais. Vous voyez là, elle t'étire, elle étire. Elle va être pétée, on ne sait pas si ça va péter ou pas. J'ai créé son montage, comme il dit toujours. Et là, tu sais bien, on va à la place. Alors déjà, ce que je suggère de faire, parce que vous n'avez pas une grande plaque comme moi ici, là, vous mettez le même sur un linge, toujours ôter le linge après. Un peu de farine en dessous. Un peu de farine là. Farine là. Et là, vous étirez un peu comme ça. Avec un rouleau à pâte, ça va très bien aller aussi. Une bouteille de vin. Bravo! Oui, excellent! Merci, Télicino. Comme ça. Commencez à avoir une pâte qui a du bon sens. OK? Si vous aimez ça, avec une belle croûte, je dirais que cette épaisseur-là, à peu près, ça devrait être très, très bien. Si vous voulez un petit peu plus mince, prenez un rouleau à pâte et vous la rendez encore plus mince. Elle est vraiment belle. Hein? Moi, j'aime ça faire ça de même un peu. D'habitude, je fais 3 tours. 3 tours, un petit tour, et puis ça en va. D'habitude, après ça, c'est correct. Le four est très chaud. Pour mettre une pizza quand le four est chaud, très très chaud. Alors, moi, je vais mettre 350, mais il y en a qui peuvent le mettre à 400, 450, 500, ce qu'ils veulent. Je pense que la pâte est prête. Mettre la sauce, la garniture, le fromage. Puis, al forno, on va la couper, on va la déguster. Ça va être délicieux. La quantité de sauce qu'on met sur une pizza, faut pas en mettre une tonne. Vraiment, là, c'est très, très peu. Je vais vous montrer combien qu'on en met, là, juste sur une comme ça. Okay? Je pense que ça, c'est déjà assez. On va regarder avec une cuillère. On peut la... Je vais vous montrer combien qu'on en met. Là. On va peut-être encore un petit peu. Mais c'est vraiment de couvrir avec la sauce. Comme ça. On va mettre un petit peu encore. Mais même là, là.
On est top limite. Ça. Là, ça me semble pas pire. On laisse un petit espace sur le bord. Comme ça. Et on va être prêt à la mettre. Une autre garniture après. Yeah. Sous modo, ça ressemble pas mal à ça. Et la sauce tomate. Maintenant, on va rajouter le pepperoni. Alors, c'est du pepperoni frais. Moi, j'aime ça comme un pepperoni. J'en mets beaucoup de pepperoni. Une autre tranche de pepperoni ici, une autre là, une autre pour maman, une autre pour papa, une autre pour grand-papa, une autre pour maman. Un autre, moi, j'aime beaucoup de pepperoni. Un autre encore, comme ça. Ça, c'est du vrai pepperoni. Et puis, il est fait avec du pepperoni. Plein de pepperoni dedans. Ça. Oh, il y en a un style. Je pense qu'il y en a trop, mais c'est pas grave. D'habitude, on n'en avait pas autant que ça. Je vais en mettre la moitié à peu près de ça, OK? Étant donné que moi, je ne vais pas faire de gaspillage, je vais faire une deuxième pizza. Et là, on a mis en masse. Alors ça, c'est une vraie pizza au pepperoni. Question du jour aujourd'hui, messieurs, dames, que nous posons dès le début de l'émission. La question est aujourd'hui, combien de fois Chef Matamor a dit le mot pepperoni quand il mettait du pepperoni sur sa pizza au pepperoni? Merci. Tu peux tasser juste...